La saison 2 démontre comment la fable de l'analogie orientale, utilisée en 1967 par Don Botte et le Père Lécuyer, les créateurs du nouveau rite de consécration épiscopale, a été endossée et répandue depuis 2005, dans leur revue Le sel de la terre, par les dominicains prétendument traditionnels du couvent d'Arbouillé, en premier lieu par le Père Pierre Marie de Kergorlet et le Père Innocent Marie. Cette pseudo-tradition sert de base au nouveau rite de consécration épiscopale, selon la Constitution apostolique pontificalis romani, promulguée par Paul Cismontini le 18 juin 1968. Ce nouveau rite est venu remplacer le rite traditionnel en vigueur dans l'Église catholique depuis au moins l'an 300, ainsi qu'en attestent les textes publiés par le bénédictin dont Marthe. En répondant les sophismes de l'analogie orientale, ces dominicains ont ainsi contribué activement à l'extinction du sacerdoce, en empêchant la vérité d'éclater et en permettant la poursuite tranquille de l'extinction biologique des lignées épiscopales. 2018, en dialogue imaginaire, intéressant notre sujet entre un cardinal et un jésuite au Vatican. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ressemblance avec des personnages réels ne sera pas fortuite. Le 8 septembre 2007, M. Vitus Yander a reçu son Spiritus Principalis lors de sa pseudo-consécration épiscopale, administrée dans le rite invalide de Montigny-Paul VI. Son consécrateur principal, Amédégrab, ordre de Saint-Benoît, est également invalide car il a été lui-même ordonné dans ce même nouveau rite invalide le 17 avril 1987. Les deux autres co-consécrateurs de Vitus Yander, le 8 juillet 2007, sont également invalides car ils ont été également ordonnés dans ce même nouveau rite invalide de 1968. Francesco Canalini le 12 juillet 1986. Kurt Koch le 6 janvier 1996. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction. L'émission de ce soir sera dense. Dans une première partie, nous allons nous pencher sur l'opération Moderno-Gallicane actuellement en cours à la Fraternité Saint-Pédis pour torpiller le sacerdoce. La deuxième partie sera beaucoup plus joyeuse, sera beaucoup plus lumineuse, puisque nous parlerons des témoignages de conversion à la foi catholique qui sont regroupés dans cet ouvrage que vous voyez là, qui s'appelle Puissance de la Grâce. Vous avez l'habitude à ce micro de me voir faire des démonstrations techniques, si je puis dire, pour défendre la foi. Eh bien puissance de la grâce, je dirais que c'est une autre forme d'apostolat plus incarnée, je dirais, dans notre réalité quotidienne. Nous en reparlerons. Alors, avant de commencer, comme vous le savez, il y a toute une série d'annonces à faire pour agréger la qualité catholique et française. Alors, tout d'abord, si vous voulez un bon bouquin et que vous êtes en Île-de-France, chers amis, n'hésitez pas à passer chez nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e arrondissement, métro La Motte-Picquet, duplex. Pareillement. N'hésitez pas à aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarme. D'ailleurs, en parlant de la librairie française, excusez-moi, je ferai une séance de dédicace euh, à la librairie euh, le 3 juin prochain. Samedi 3 juin prochain, et je dédicacerai mes deux derniers ouvrages. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur ces bons bouquins. Sur ces bons bouquins, qu'est-ce que je raconte moi, sur ces. Euh, à la librairie française et euh, sur le site du collectif saint la main si vous avez besoin d'un mon livre. Je renvoie également euh, aux chaînes YouTube Amis, hein, donc euh, vous les connaissez, il hein, euh, y a la vérité catholique, il y a des lectures catholiques, catholique Emmanuel la catholique, etc. Et euh, il y a euh, une nouvelle chaîne qui monte, si je puis dire, qui est celle de Maccabée. Il a fait dernièrement euh, une vidéo où euh, il attaque le, le texte conciliaire du Conciliabule Vatican II, Dignitatis Soumané, et il prend, mot, je dirais, euh, voilà, phrase par phrase, le document. Hein, donc C'est un travail très dense. Je vous invite euh, à aller le voir et je vous invite à le partager, car nous sommes chats hein, nous sommes des bannis de l'ombre. Le démon se défend, c'est normal. Hein, euh, donc il fait tout pour que notre. Euh, Défense de la foi pour que notre apostolat ait le moins d'écho possible. Donc, pour conjurer cela, eh il y a un moyen qui est fort simple c'est que vous partagiez, chers amis. Alors, éventuellement, vous pouvez mettre des, des petits pouces bleus et des commentaires, parce que ça dope les algorithmes, euh, mais le mieux, c'est tout de même eh bien, de euh, partager et d'assimiler le propos au passage, bien entendu. Voilà. Par ailleurs, donc sur la chaîne YouTube Idée de lecture catholique, il y a une vidéo consacrée euh, au pape Léon XIII, pape calomnier. Euh, donc je vous invite à aller la voir. C'est Léon XIII raconté par Saint Jean Bosco. Les liens sont en description. Parmi les chaînes YouTube, je recommande aussi la chaîne YouTube Défense de la foi. La chaîne YouTube Défense de la foi vise à prendre des extraits de ses émissions, parfois à les agrémenter de montage, pour en faire des courtes. D'ailleurs pas toujours, mais globalement des courtes vidéos pédagogiques. Voilà. Euh, A chaque, chaque, chaque émission, je vous renvoie à cette chaîne YouTube, qui, je l'espère, est utile. Et pour cette émission-là, j'y renvoie plus que jamais, puisque nous allons parler de l'invalidité du sacrement de l'ordre chez les conciliaires. Donc nous avons fait une longue vidéo, magistère en main, travaux de roré sanctificat en main, pour démontrer l'invalidité du sacrement de l'ordre chez les conciliaires. Voilà, donc je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas lu, vu pardon, et par ailleurs. Et par ailleurs chers amis, euh, nous avons consacré d'autres émissions à ce sujet, dans deux autres émissions, j'ai répondu à des contradicteurs modernistes. Je suis revenu sur cette question pour traiter d'un texte de Dombot ou à mot couvert, il nous dit que le, le, le truc est, enfin le, le, oui, le truc, le truc on peut le dire, leur pseudo sacrement est un truc est invalide. Et on était revenu encore sur cette question, rappelez-vous, il y a quelques mois, dans l'émission consacrée à Mel Gibson. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, euh, puisque c'est vraiment un sujet qui est atomique. Vraiment atomique. Alors ensuite, euh, je pense que j'ai fait le tour pour les vidéos. Euh, comme vous le savez aussi, nous faisons des appels aux dons. Euh, alors, déjà, appel au don pour la restauration d'une grange euh, dans laquelle il y a une chapelle Nononakoum. Donc, le lien est en description. Euh, appel au don pour trois écoles École des Trois-Saint-Jean en Belgique, École Sainte-Expédite à Guingamp et l'École Notre-Dame Auxiliatrice dans la commune de Béton en Bretagne, aux alentours de Rennes. Voilà, donc ce sont trois écoles catholiques, euh, et si, ma foi, vous pouvez les aider, n'hésitez pas. Un fidèle m'a fait une fois cette réflexion. Il m'a dit que beaucoup de gens restaient à la fraternité Saint-Pédis parce qu'au ne... niveau des écoles, justement, ils étaient coincés, ils ne pouvaient pas mettre leurs enfants ailleurs. Donc en aidant les euh, écoles euh, à grossir, à grandir, voire à se créer, eh bien, vous permettez à des gens bah, de rejoindre l'église. Hein. Donc euh, c'est tout de même euh, assez utile, chers amis. Et enfin, euh, appel au don pour une communauté catholique du sud de la France, l'œuvre de l'étoile. Donc il y a un lien catholique de France qui y mène et il y a le RIB. Il y a une présentation d'ailleurs de la communauté. Euh, voilà, donc euh, si par extraordinaire, eh bien euh, vous en avez un petit peu sous le coude, si vous passez la formule, n'hésitez pas à les aider. Euh, je crois que Monseigneur Gaume d'ailleurs reprend le passage des évangiles. Attendez, est-ce que je vais vous trouver ça Je ne vais pas vous le trouver maintenant, je pense. Mais, euh, ah voilà, citation de Monseigneur Gaume. Si un simple verre d'eau froide donné à un pauvre pour l'amour de Dieu mérite une récompense éternelle, quelle récompense est réservée à une mortification mille fois plus, coup, mille fois plus coûteuse qu'un verre d'eau froide C'est Monseigneur Gaume qui le dit, auteur salué, excusez du peu, par Grégoire XVI, Épineuf. Voilà, donc si par extraordinaire vous pouvez nous aider, euh, enfin, aider toutes ces communautés, n'hésitez pas. Euh, et d'ailleurs, euh, je tiens solennellement hein, à remercier les personnes. Qui ont d'ores et déjà donné à toutes ces, toutes ces structures. Euh, la générosité catholique, ce n'est pas une vaine formule. Je le sais. J'ai des retours euh, euh, des, des bénéficiaires qui me disent qu'ils sont très touchés, très touchés de votre générosité, chers amis. Voilà. Le moindre coup de pouce, croyez-le, euh, aidera. Le moindre coup de pouce. Et puis, euh, attendez, peut-être une autre citation de Monseigneur Gaume, excusez-moi, que j'avais lui il n'y a pas longtemps. Euh... Attendez, celle-là pour la retrouver, ça va être plus compliqué, mais bon, en substance, voilà ce qu'il nous dit c'est que ce qui compte quand on donne, euh, avant toute chose, au-delà du quantum, c'est l'intention. Voilà, et il prenait l'exemple, euh, notamment, vous savez, euh, dans les évangiles euh, de euh, la dame qui euh, avait mis du parfum euh, sur le Christ. Euh, voilà, euh, donc voilà pour ces appels aux dons, pour les écoles, restauration d'une chapelle et pour l'œuvre de l'étoile. Alors un petit mot aussi rapide, chers amis, sur l'événement qui a eu lieu euh, le week-end du 13 et 14 mai, donc dans la commune de Béton, à côté de l'école Notre-Dame Auxiliatrice, justement. Donc c'était un événement organisé par Catholique de France, et c'était une réunion bah, précisément bah, de catholiques d'opposition de Nonakoum. Il n'y avait pas que des Nonakoum, d'ailleurs, d'invités parmi les intervenants, et euh, il n'y avait pas que des parmi euh, les gens qui sont venus. L'ambiance était familiale et fraternelle. Euh, je dois dire que j'étais très content de, de voir et de, de, de retrouver des camarades de lutte, soit des camarades que vous connaissez parce que ce sont des influenceurs, par exemple Cyril Dubois, que nous saluons, euh, soit eh bien, des gens que vous ne voyez pas, chers amis, à la caméra, mais qui, euh, euh, bah, qui euh, essaient de faire vivre la cause catholique, essaient de faire vivre cet apostolat. Voilà. Euh, et je, d'ailleurs, j'en profite pour les saluer pour leur travail de l'ombre. Il y a eu des conférences, alors moi je ne les ai pas vues parce que j'étais à mon stand, mais ceux qui les ont vues m'ont dit que c'était des conférences de qualité, en particulier celle d'une personne dont nous reparlons probablement euh, dans des émissions ultérieures, parce que je, je sais que son travail est de qualité. Euh, J'ai fait moi-même une conférence qui était euh, au sujet de mon dernier livre que vous voyez là, qui est Monseigneur Gaume un Nouveau père de l'église, et en gros, l'idée c'est euh, en quoi mon siège nous apporte une aide pour combattre le modernisme et le gallicanisme. Voilà, il euh, y a eu 200 enfin, près de 300 euh, places payantes de vendues sur le week-end, donc plus les enfants, ça faisait quand même du monde, même si euh, on peut toujours espérer faire mieux, et, et c'était une première, et pour une première, c'était une bonne chose. Plusieurs clercs étaient là également, j'en ai vu quatre ou cinq. Voilà, donc ça fait du bien de se retrouver entre catholiques. Euh, C'est une forme de respiration, si je puis dire. Voilà. Donc remercions les personnes, enfin toute l'équipe de Catholiques de France, qui, euh, bah, qui a mis en œuvre cet événement, qui l'a pensé et qui, qui l'a ensuite mis en œuvre. C'était beaucoup de travail, d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier aussi, c'était pas facile forcément. Voilà, donc euh, tout cela a été fort heureux. Euh, et puis ça a permis bah, aussi à de nombreux. Euh, de nombreux fidèles, de nombreux catholiques, de discuter, d'échanger avec des auteurs. Voilà. Donc, si vous n'étiez pas là et que vous êtes de la région, euh, n'hésitez pas à venir. Et encore et encore, chers amis, hein, je salue les Belges euh, qui, euh, qui étaient là, avec qui j'ai échangé. Euh, je sais qu'il y a une personne qui est venue de Suisse également. Il y a des personnes qui sont venues de très loin, hein, puisqu'il y avait des fidèles de Chambéry qui étaient là. Euh, voilà, donc c'était vraiment, euh, vraiment très, très agréable et il euh, y avait une véritable fraternité catholique, voilà, entre euh, frères d'armes, si je puis dire. Car nous menons un combat. Hein. Le Bon Dieu nous a donné la grâce de mener euh, un combat extraordinaire. Voilà. Alors, euh, pour finir aussi sur les vidéos, il ne vous a pas échappé que après le générique de cette émission, nous avons mis l'extrait d'une vidéo. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos, pardon pour la répétition, que vous trouvez sur Odyssée. Et cette vidéo est consacrée elle aussi à la démonstration de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. Et on y réfute notamment les sophismes des Dominicains d'Avrier, qui, c'est fort triste, euh, ont cru bon de défendre ce faux sacrement. Alors, je vous connais un peu, chers amis. Et je sais que vous êtes un peu fainéant parfois et que vous n'allez pas ailleurs que sur YouTube et que vous n'allez pas voir les vidéos Odyssée. Donc, je demande à toutes les personnes qui ont une chaîne YouTube et qui partagent la position de Nounakoum, eh bien, euh, d'aspirer les vidéos de Adext. Euh, donc, c'est cette fameuse chaîne Odyssée qui concerne l'invalidité du sacrement de l'ordre. Je les invite à les aspirer et à les mettre sur YouTube. Voilà. Donc le centurion romain l'avait fait il y a quelques mois. Bah je vous invite à l'imiter et à prendre un maximum de ces vidéos pour les partager parce que tout simplement, bah ça fait mal à l'ennemi. Voilà. Et ce sujet est absolument atomique, atomique. Euh, et euh, on ne passera pas à côté de toute façon. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut critiquer Vatican II, il faut abjurer Vatican II, bien entendu. Là, je parle pour les modernistes, mais ça suffira pas. Les clairs modernistes de bonne volonté qui voudront de devenir des vrais prêtres catholiques, euh, devront d'une part abjurer, mais par ailleurs se faire ordonner Enfin, se faire ordonner tout court, d'ailleurs, en vérité. Euh, vous n'y échapperez pas, chers amis modernistes. Hein. Vous n'y échapperez pas. Ce sujet est important. Donc, euh, voilà. Mais nous, il faut que nous plaidions le dossier. Pièce en main, chers amis. Argument en main. Et donc, la chaîne YouTube Adext vous donne des nouveaux arguments. Allez-y. Hein. Allez-y, quoi. Voilà. Euh, et relayer à fond, et vraiment, je demande à toutes les personnes euh, qui ont une chaîne YouTube, euh, qui sont de notre position, eh bien à, à mettre sur leur chaîne euh, ces vidéos. Voilà, je ne sais pas si cet appel sera entendu, mais il euh, fallait que je le dise. Alors, avant de commencer pour le sujet, sur le sujet du soir, enfin sur les sujets du soir, parce qu'il y en a deux, euh, et d'ailleurs, là, je vous répète ce que je vous ai dit pour l'émission sur Sainte-Faustine ce sont des émissions denses, donc je vous invite à ne pas hésiter à les voir deux fois. Voilà. Celle sur Sainte-Faustine, d'ailleurs, euh, était importante, il me semble. Et Arnaud Dumouche m'a proposé un nouveau débat sur ce sujet-là. Euh, J'ai accepté, donc je débattrai avec lui, si la Providence le permet, dans les semaines qui suivent. Mais voilà, n'hésitez pas à revoir deux fois euh, les vidéos. Alors, quand même un mot sur l'abbé Ligano, parce qu'il euh, a, il a fait un très bon texte. Enfin, euh, c'est une homélie, d'ailleurs, je crois, euh, en date du 20 mai. Et. Euh, alors, d'une part, il prend des bonnes positions dedans, c'est pas la première fois, mais il me semble qu'il euh, qu touche un peu le thème de ce soir. Alors, ce qui est bien dans ce. J'ai oublié, c'est qu'avant ce texte, il en avait fait un autre, enfin une, un entretien, dans lequel, pour la deuxième fois, il disait que Jean 23 avait été très probablement franc-maçon. Il l'avait déjà dit, parce que je précise que. Euh, non, c'est pas dans Sylvain, je suis bête, pardon, excusez-moi. Euh, je... Pour ce livre, Puissance de la Grâce, je fais euh, deux conclusions, une sur Vigano et une sur le synode, sur la synodalité. Est-ce que vous me permettez un petit instant pour que je retrouve éventuellement le texte Voilà, donc euh, Vigano avait dit déjà en octobre 2022, le 17 octobre, que euh, Jean XXIII était pro probablement lui-même membre d'une loge ecclésiastique, donc franc-maçon. Si Jean XXIII était franc-maçon, il était ipso facto excommunié, Hors de l'Église, il n'était donc pas pape. Tous ces actes seraient nuls, à commencer par la convocation du Conciliabule Vatican II. Donc ce fait suffit à condamner à mort, en détruisant son fondement, le Novus Ordo. Une telle phrase ne peut pas, chers amis, avoir été dite, enfin écrite, à l'envolée. Pour la deuxième fois, Vigano a écrit, a dit, a déclaré que Jean XXIII était probablement franc-maçon. Et là, eh bien, donc vous disais-je, il a fait un texte en date du 20 mai, dans lequel il dit ceci. Alors d'abord, il, <laughs> il nous dit que Bergoglio est étranger à la papauté. Alors euh, il nous dit la preuve la plus évidente et la plus déconcertante de l'étrangeté, de l'extranéité de Bergoglio au rôle qu'il occupe. Ensuite, il dénonce la citation la secte conciliaire, formule typiquement CD vacantiste, que n'emploie publiquement que des CD vacantistes. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui suit. Écoutez bien. Les hiérarques de la secte conciliaire le répètent lorsqu'en abusant de leur pouvoir comme les grands prêtres du sanhédrin ils voudraient effacer le sacerdoce institué par le Christ. Effacer le sacerdoce institué par le Christ, c'est précisément ce que voulait faire la secte conciliaire en faisant ce sacrement entre guillemets de l'ordre invalide. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour l'opération Wonder dont nous allons parler. Donc l'abbé Vigano vous voyez, au fil du temps, il se bonifie, et au fil du temps, il cogne plus fort et plus juste. Prions pour lui. Prions qu'il aille toujours plus loin dans la dénonciation de l'imposture moderniste. Par ailleurs, j'oubliais, chers amis, puisqu'on est au stade des prières, il y a eu un très bel événement ce week-end euh, organisé donc par Catholique de France. Un jeune homme qui n'avait pas prévu d'aller à la messe est venu le samedi, et euh, suite donc à, bah, aux heures qu'il a passées. Euh, à cet événement, eh bien, il a décidé d'aller à la messe pour la première fois le lendemain. Et il m'a dit par la suite qu'il en a été très ému. Donc, ce jeune homme s'appelle D. et eh bien, je vous demande à tous de prier pour D, euh, pour qu'il persévère et euh, pour qu'il voilà, qu devienne euh, catholique et qu'il vive en état de grâce, tout simplement. Voilà. J'oubliais, chers amis, pardonnez-moi. Ce soir, Pierre Tiernant est avec moi à la technique. Et par ailleurs, si vous, vous êtes intéressé par ces deux ouvrages, vous pouvez aller sur le site euh, de, 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 de la maison d'édition euh, L'estocade et les liens sont gracieusement mis en description par Monsieur Pierre Tirmont. Voilà. <coughs> bon, on attaque, chers amis, je vous le dis, ça va être dense. Donc, n'hésitez pas à revoir cette émission à plusieurs reprises. Alors depuis l'été dernier, à ce micro, nous menons un combat qui est celui de la dénonciation de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. Nous avons traité cela dans plusieurs vidéos. Il est utile, me semble-t-il, de revenir sur l'argument euh, premier qui établit cette invalidité. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est un sacrement Un sacrement, c'est un moyen de communication de la grâce. Tout sacrement est constitué de trois choses. D'une matière, la matière c'est ce que fait la personne qui administre le sacrement, d'une forme, la forme ce sont les paroles qui sont prononcées par la personne qui administre le sacrement, et de l'intention. L'intention c'est l'intention de faire ce que fait l'Église. Mais, précisons tout de suite, et ça retenez-le bien, parce que ça va être l'un des fils rouges de cette première partie de l'émission, chers amis. L'intention n'est pas quelque chose de subjectif propre à celui qui administre le sacrement. L'intention, Léon XIII nous le dit infailliblement dans Apostolique à s'apprécie objectivement par rapport au respect qu'il y a dans la bonne exécution du rite, du sacrement. Donc bonne exécution de la matière et de la forme. C'est-à-dire que quand... La personne qui administre le sacrement respecte ce qu'il faut faire concernant la matière et quand il respecte ce qu'il faut faire concernant la forme, même si cette personne, par exemple, est hérétique, eh bien, le sacrement est. Enfin, euh, il y a l'intention et le sacrement est valide. Voilà. Donc, je le répète, retenez bien ça l'intention pour un sacrement ne s'apprécie pas par rapport à la subjectivité. De celui qui administre le sacrement mais il s'apprécie objectivement par rapport à l'exécution du rite et donc par rapport au bon respect de la matière et de la forme du sacrement donc matière plus forme égale intention c'est mathématique il ne peut pas y avoir bonne matière et bonne forme sans qu'il n'y ait pas intention derrière il fallait faire cette précision vous le verrez alors euh, s il manque un de ces trois éléments matière forme intention le sacrement est invalide, c'est-à-dire qu'il ne produit pas d'effet, il ne communique pas la grâce spécifique qu'il est censé communiquer. Concernant l'invalidité du sacrement de l'ordre, de l'ordination épiscopale, Pidouge dans Sacramentum Ordinis a infailliblement défini que la matière c'était l'imposition des mains de l'évêque sur l'ordinant et que la forme c'était des paroles qui, de façon non équivoque, communiquaient deux choses. Retenez bien ça, chers amis, qui communiquaient deux choses. Premièrement, la grâce du Saint-Esprit. Deuxièmement, l'épiscopat. Donc, je répète, la forme du sacrement de l'ordre, c'est la communication de deux choses, c'est les paroles qui communiquent deux choses, la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. Léon XIII, dans Apostolique à courir, définit infailliblement que lorsqu'il manque une de ces deux choses, la, la forme du sacrement donc est viciée, elle est déficiente, et donc le sacrement est invalide. Donc si par exemple la formule dite par l'évêque ne communique pas l'épiscopat, même si donc elle communique euh, la grâce du Saint-Esprit, et bien cette formule est, est défectueuse, et donc le sacrement est invalide. Il n'y a pas de, matière, de forme à ce sacrement. Léon XIII l'a infailliblement défini dans Apostolique à Il évoquait la question du, de, du sacrement de l'ordre entre guillemets chez les Anglicans et la formule du sacrement de l'ordre chez les Anglicans, c'était recevez le Saint-Esprit. Donc là, on pouvait dire qu'il y avait communication du Saint-Esprit, mais il n'y avait rien qui faisait mention à la communication de l'épiscopat. Et donc Léon XIII dit, bah là, il manque quelque chose. Il est censé être transmis deux choses, on en transmet une seule, donc c'est invalide. Donc le sacrement de l'ordre anglican est invalide. Voilà. Et bien comme par hasard, chers amis, euh, le sacrement de l'ordre, entre guillemets, inventé par Montini, paul VI, dont bottes et l'écuyer, eh bien communique alors ce qu'on appelle le spiritum principalem, qu'on peut à l'arrache, si je puis dire, rattacher à la grâce du Saint-Esprit, et encore de façon équivoque. Mais comme par hasard, on ne communique pas la deuxième chose, qui est, comme je ne cesse de vous le dire, l'épiscopat. La formule inventée par Montini communique le Spiritum Principalem, mais elle ne communique pas l'épiscopat. A l'instar donc du rite anglican, le rite montinien est invalide. Donc les clercs qui ont été entre guillemets sacrés avec ce rite ne sont pas évêques. Cette réalité est absolument catastrophique. Elle est dure à entendre, mais c'est la réalité. Voilà. Et il faut regarder la réalité en face. Et si la secte conciliaire est ravagée par des scandales d'ordre moral, si je puis dire, euh, c'est parce qu'elle n'est pas alimentée par cette grâce, tout simplement. Donc le sacrement de l'ordre chez les conciliaires est invalide, parce que la forme de ce sacrement est défectueuse, et elle est défectueuse parce que alors qu'elle est, est censée communiquer deux choses, la grâce du Saint-Esprit et l'Épiscopat, elle ne communique que le spiritum principalem qui est à peine rattachable à la grâce du Saint-Esprit. Voilà. Et, et je le répète encore, il n'y a rien sur la communication de l'Épiscopat. Mes contradicteurs modernistes, d'ailleurs, ont été incapables de m'apporter le moindre contre-argument sérieux à ce sujet. Je renvoie aux vidéos de réfutation que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube Défense de la foi. Alors, ceci posé, comment monseigneur Lefebvre... S'est positionné à l'époque sur euh, ce sujet. Eh bien, il a été fluctuant. Et quand il a été sur la bonne position, malheureusement, il l'a mal justifié. Nous disposons du témoignage de plusieurs clercs qui, euh, disent, qui, voilà, qui ont écrit que Mgr Lefebvre euh, ne croyait pas euh, à la validité du sacrement de l'ordre. Et de fait, effectivement, Lorsqu'un clerc conciliaire rejoignait la fraternité Saint-Pédis, monseigneur Lefebvre le réordonnait sous condition. Et de fait également, n'a Lefebvre n'utilisait euh, pas, pas le sacrement de l'ordre conciliaire pour ordonner ses prêtres, enfin pour les prêtres de son, enfin, les, les, ses, ses séminaristes, mais euh, il utilisait le sacrement catholique. Il y a une exception à cela. monseigneur Lefebvre, semble-t-il, utilisé du sacrement de l'ordre conciliaire pour l'abbé Cotard, je crois. Euh, mais, hélas, euh, je ne sais pas s'il l'a redonné sous condition. Voilà, je ne veux pas dire de bêtises, mais je dis juste, je ne sais pas s'il l'a redonné sous condition. Alors, à d'autres époques, monseigneur Lefebvre était plus fluctuant, vous disais-je. Je vais vous donner un exemple. Mgr Sunborn a fait un entretien en 2014, euh, dans lequel il parle en français, et il évoque que quand il s'est brouillé avec monseigneur Lefebvre, eh bien, il a eu un entretien avec lui et l'abbé Schmidberger. Et monsieur Sandborn, enfin à l'époque l'abbé Sandborn, euh, lui dit, mais enfin vous, vous voyez bien que le sacrement de l'ordre chez les conciliaires est invalide. Monseigneur Lefèvre botte en touche et il renvoie euh, la parole, enfin il, rend la il donne la parole à l'abbé Schmidberger. Et l'abbé Schmidberger ose dire à celui qui était à l'époque l'abbé Sandborn, il lui dit. Euh, ces sacrements sont valides parce qu'ils sont la reprise de rites des catholiques orientaux. Ce qui est faux, hein. petite parenthèse, re à la Voilà. Mais, euh, comme vous le savez, euh, périodiquement, est-ce que vous pouvez me dire qui est le pape avant Grégoire X, s'il vous plaît J'en je avoir besoin. Le pape juste avant Grégoire X. Vous allez voir pourquoi je pose cette question Je crois que ça se termine par 4, mais je suis pas sûr. C'est en 4. Voilà. Bon. Alors, donc, en 1988, Monseigneur Lefebvre, comme vous le savez, va faire des sacres. Il va sacrer quatre évêques. Et il va faire ce qu'on appelle un sacre sans mandat pontifical. Normalement, quand il y a un pape, on ne peut pas faire de sacre si on n'a pas un mandat pontifical, c'est-à-dire une autorisation du pape pour faire le sacre. Ce n'est pas possible. Faire un. un en temps normal. Faire un, un sacre sans mandat, c'est un motif d'excommunication, c'est un acte schismatique. J'ai bien entendu normal, L'Église, ceci étant, euh, dans le passé, avait pu le, le valider, notamment quand il n'y avait pas de pape. Il y a eu une vacance de siège de trois ans euh, entre euh, la mort de Clément XIV et l'élection de Grégoire X. Et pendant ces trois années, eh bien, euh, il y a plusieurs clercs qui ont été sacrés évêques et Grégoire X, une fois élu, a validé leur sacre. Donc c'était des sacres sans mandat pontificaux, parce qu'il n'y avait pas de pape. Mais ce n'était pas des euh, sacres qui étaient faits contre l'avis d'un pape. Vous voyez, contre un pape. Non, c'était des sacres qui ont été faits sans pape. Petite parenthèse, c'est comme aujourd'hui, il n'y a pas de pape. Bon. Euh, par ailleurs, euh, on se souvient que saint euseb de Somazate avait aussi euh, fait des sacres sans mandat, mais dans des... Euh, mais dans des, dans des circonstances exceptionnelles euh, de persécution. Léon XIII, d'ailleurs, je le dis, euh, avait donné. Euh, euh, j'ai plus, le, plus le, le nom exact. Une, une bénédiction apost apostolique. Enfin, j'ai plus le terme exact. Enfin, bref, il avait fait donner une bénédiction euh, à l'ouvrage de Dongréa qui évoquait euh, cette activité, cette action de Saint-Euseb Saint de Sommazat. Mais encore une fois, ce n'était pas des sacres sans mandat faits contre euh, des papes. Or, Monseigneur Lefebvre, lui, prétendait. Faire des sacres sans mandat contre celui qu'il reconnaissait officiellement comme étant un pape. Ce qui est extrêmement contradictoire. J'ai tendance à penser que M. Lefebvre était, était vacantiste en fort interne. Euh, autrement, je ne vois pas pourquoi il aurait fait cet acte qui, autrement, serait un acte schismatique. Voilà. Bon, moi, je ne l'ai pas connu, M. Lefebvre. Euh, tout ce que je dis n'engage que ma subjectivité et je peux me tromper. Mais ma subjectivité me laisse penser que. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça Parce que le jour euh, des, de ces fameux sacres, donc c'était en juin 88, M. Lefebvre a dit ceci, il a déclaré ceci. Les sacrements, donc chez les modernistes, sont tous douteux. Alors quand on dit ça, on ne parle pas du baptême et du mariage, comprenez bien. On parle des sacrements qui émanent des clercs, enfin, qui, euh, dont les clercs sont les ministres. Donc, les sacrements sont tous douteux. Si la phrase s'était arrêtée là, ça aurait été très bien. Sauf qu'il dit, parce qu'on ne connaît pas leurs intentions. On ne connaît pas leurs intentions. Et là, cette phrase de Mgr Lefebvre, avec tout l'aspect qu'on a pour lui, elle est équivoque et dangereuse. Pourquoi Parce qu'à entendre Mgr Lefebvre, on pourrait se dire, attendez, c'est douteux parce qu'on ne connaît pas leurs intentions. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'intention s'apprécierait subjectivement par rapport au clair conciliaire, Là, il y a un problème. Parce que ça voudrait dire que pour un même clerc, euh, ou pour des clercs différents mais issus de la secte, les sacrements seraient tantôt valides ou tantôt invalides, en fonction d'une intention subjective. Ceci n'est pas l'enseignement de l'Église, chers amis. On vous l'a dit tout à l'heure. L'intention ne s'apprécie pas par rapport au clerc, euh, par rapport à sa subjectivité. L'intention s'apprécie par rapport à la bonne exécution du rite. Est-ce qu'on a bien exécuté la matière et la forme du sacrement Ça s'apprécie objectivement. Donc il y a une seule question qui se pose, à laquelle Mgr Lefebvre n'a d'ailleurs jamais répondu, hélas. Est-ce que le sacrement de l'ordre conciliaire est valide Oui ou non Si le sacrement de l'ordre conciliaire est intrinsèquement valide, il n'y a pas de problème au niveau de sa forme, il n'y a pas de problème au niveau euh, de sa matière, et il y a l'intention tout le temps. Même si le clerc en question est hérétique, mais si le sacrement de l'ordre conciliaire est invalide parce qu'il y a un problème au niveau ou de sa matière ou de sa forme, à ce moment-là, il ne peut jamais y avoir intention. Donc, soit il y a toujours l'intention parce que ce sacrement est valide, soit il n'y a jamais l'intention parce que ce, ce rite est invalide. Voilà. Et la vérité, nous l'avons exposée c'est que ce sacrement, entre guillemets, de l'ordre conciliaire est invalide parce qu'il y a un problème au niveau de sa forme, notamment. Voilà. Donc monseigneur Lefebvre, vous le disais je malheureusement, n'a jamais tranché cette question. Et aujourd'hui, le résultat, eh euh, c'est à la fraternité Saint-Pédis même, on attaque le sacerdoce. Si monseigneur Lefebvre avait tranché cette question aussi sèchement qu'il avait tranché la question de euh, la messe, par exemple eh bien, on n'en serait pas là. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, eh bien, Lefebvre n'a pas tranché cette question. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui à la Fraternité Saint-Pédis, chers amis Comment le sacerdoce est-il attaqué Au mois de mai 2019, un pseudo-évêque conciliaire a rejoint la Fraternité Saint-Pédis. Ce pseudo-évêque, c'est le fameux Vitus Wonder. Il n'a pas été ordonné validement, puisqu'il est ordonné avec le rite nouveau sordo, et il a encore moins été sacré validement, puisqu'il a été entre guillemets sacré avec le rite nouveau sourdo Donc cette euh, Vitus Wander rejoint la Fraternité Saint-Pédis en mai 2019. À ce moment-là, un communiqué de presse commun est fait entre Vitus Wander et l'abbé Pagliarani, qui était donc le nouveau supérieur de la Fraternité saint pédis dans ce communiqué de presse, il est, dit que, euh, il est dit que le seul et unique but de cette démarche est de se consacrer à la prière et au silence. À la prière et au silence. Donc en somme, on nous dit, certes, Wonder intègre la saints impudice, mais il sera en retrait. Sauf qu'il y avait déjà un os dans le pâté, chers amis. Pourquoi Parce que Wonder fait un autre communiqué de son côté. Dans lequel il nous dit qu'il est là pour discerner, accompagner et intégrer la fraternité saint pidice Donc pour accélérer, pour intensifier le ralliement, je dirais, de la fraternité saint puisque Puisqu'elle est déjà ralliée, hein, la fraternité Saint-Pilice. Hein, pour ceux qui auraient loupé quelques épisodes. Elle est ralliée à la secte moderniste, hélas. Donc déjà, premier os dans le pâté. Et par la suite, ça s'aggrave. Puisque, euh, rapidement, on s'aperçoit que. Um, Wonder, loin de rester, donc citation dans la prière et dans le silence, Wonder fait la tournée des écoles suisses de la fraternité Saint-Pédis. Et dans ces écoles, il entre guillemets confesse, parce qu'il n'a aucun pouvoir de confesser, puisqu'il n'a pas été validement ordonné, il entre guillemets donc, <laughs> confesse et il catéchise. En tant qu'évêque, donc. Hein. Bon. Les années suivantes, on a vu Wander dire la messe au séminaire allemand de la Fraternité Saint-Pilice. Au fil du temps, il prend de plus en plus d'importance sans qu'il ait été réordonné sous condition, sans qu'il ait été sacré sous condition, et sans qu'il abjure Vatican II. Un certain nombre d'éléments, chers amis, laissent craindre que Wander sera le prochain évêque. À entre guillemets sacré à la fraternité Saint-Pinis. Comprenons bien la situation. La secte conciliaire, comme nous le dit l'abbé Vigano dans son homélie du 20 mai, veut effacer, veut supprimer, veut détruire le sacerdoce catholique. Pour ça, elle a eu un coup de génie diabolique, d'ailleurs, avec ce fameux rite invalide euh, Montigny, euh, de Montigny-Paul VI. Bon. Donc la secte veut détruire le sacerdoce. Dès lors, elle ne donnera jamais de mandat pontifical aux trois évêques valides de la fraternité Saint-Pédis, que sont Mgr Follet, Mgr Tissier et euh, Mgr de Galarita. Jamais la secte ne donnera de mandat entre guillemets pontifical, parce que Bergoglio est autant pape que Pierre de Diamond. Euh, et si jamais euh, ces évêques faisaient des sacres, sans le mandat bergolien, et non, non pas mandat pontifical, eh bien il serait, entre guillemets, excommunié par la secte. Tout comme monsignor Lefebvre, à l'époque, a été excommunié, entre guillemets, par Jean-Paul II. Rappelez-vous. Bon. Donc ça, ils ne le veulent pas, à la fraternité hein, ils ne veulent pas se refaire excommunier. Le problème, c'est que euh, monsignor Ticine Malraine est plutôt jeune. Euh, et avec Monsieur de Galerata, ils n'ont pas forcément toujours une très bonne santé. Donc pour sa survie, la fratrie Saint-Pédis est obligée d'avoir de nouveaux évêques. Alors comment faire Puisque Bergoglio dit non, je ne veux pas que euh, vous euh, transmettiez une fois encore le sacerdoce. On a, on a, on a été critique à ce micro envers Ancien Lefebvre, et nous maintenant c'est critique, mais nous mettons tout de même au cri Le Lefebvre d'avoir permis... Euh, la perpétuation du sacerdoce catholique. Bon. C'est pas le seul à, 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 être, à avoir permis cela, mais il l'a permis. Bon. Euh, alors, comment faire, chers amis euh, Là, c'est insoluble pour la Fraternité Saint-Pédis, puisque, je répète, hein, ils veulent faire des évêques, mais Bergoglio ne veut pas, et il les, il les excommuniera, si jamais ils font des sacres. Vous voyez une solution. La seule solution, c'est qu'un évêque Novus Ordo entre guillemets sacre à la fraternité sapidis. Wonder est l'homme de la situation. Trois indices semblent l'indiquer. Premier indice. Il y a quelques semaines et on en a beaucoup parlé, Wonder a entre guillemets consacré les saintes huiles au séminaire d'Allemagne. Donc on donne à Wonder une responsabilité qui revient normalement à un évêque. On présente Wonder au fidèle comme s'il était un évêque hélas il ne l'est pas et tous les sacrements d'extrême-onction ou de confirmation qui se feront avec cette huile seront malheureusement invalides donc ça c'était le premier indice on le présente de plus en plus comme un évêque et on lui donne des responsabilités d'évêque deuxième chose depuis un peu plus d'un mois wonder s'est lancé dans une série de vidéos avec la fraternité sympathise bien sûr hein, sur youtube et alors qu'il euh, n'avait jamais parlé de ces sujets publiquement, eh bien Wonder fait une critique de Vatican II et du Novus Ordo. Permettez-moi quelques citations. Donc, il nous dit que Paul VI était favorable aux libéraux et aux progressistes. Il nous dit que nous vivons le grand calvaire de l'Église. Rien n'a autant conduit à la dissolution de l'unité de l'Église que le Novus Ordo misé, donc que la fausse messe Paul VI. Euh, alors il nous dit que l'excommunication de Saint-Lefebvre a été levée. Non, ça c'est inexact. Hein. Si vous regardez le texte de levée d'excommunication entre guillemets de Benoît XVI, ça ne mentionne pas monseigneur Lefebvre. Il nous dit que le pontificat de Bergoglio est un pontificat de rupture avec la tradition. Il nous dit que Bergoglio veut éradiquer la liturgie romaine traditionnelle et qu'il est un ardent défenseur de la religion universelle. Il dit que nous pouvons parler d'une rétractation. Il nous dit que Vatican II est le point de départ d'attaque officielle contre le magistère. Et que la fausse messe Paul VI est une conception essentiellement protestante. Et il nous dit il y a un besoin de renouveau dans la hiérarchie. Voilà. Donc, ce n'est pas une abjuration, si vous voulez, euh, aussi forte que celle de l'abbé Vigano, mais bon, il y a quand même une critique euh, qui est faite. Et me semble-t-il, il, il s'agit d'une opération séduction pour le rendre le Févro compatible aux fidèles de la Fraternité Saint-Pidis. Troisième indice qui est selon moi encore plus euh, parlant, eh c'est le Courrier de Rome du mois de mars 2023. Le Courrier de Rome, c'est la, la revue de la Fraternité Saint-Pinis. On trouve dans ce numéro du mois de mars 2023 plusieurs articles de l'abbé Glaise, qui est euh, le théologien officiel, de, enfin, un théologien, théologie, je dirais, référent plutôt. De la fraternité Saint-Pédis. Il est considéré comme faisant autorité. Voilà. Alors, que nous dit l'abbé Glaise ben, Il nous dit plusieurs choses. D'abord, il nous dit que la sacrée congrégation pour le culte divin, le 3 décembre 1970, euh, a promulgué un nouvel ordre de consécration des saintes huiles, justement. Et autrefois, donc, la, selon l'Église catholique, les saintes huiles ne peuvent être, au niveau de la matière, que l'huile d'olive, de l'huile d'olive. La secte conciliaire a changé cela. Elle, a tou elle permet toujours qu'on utilise l'huile d'olive, mais elle étend la chose aux huiles, à tout type d'huile végétale. Au motif qu'il est plus difficile aujourd'hui de trouver de l'huile d'olive. Ce qui est une blague, puisque de l'huile d'olive, on en trouve partout. Bon, même on n'en a jamais trouvé aussi facilement. Bref. Donc l'abbé Glaise nous dit que le sacrement, euh, enfin, les sacrements de confirmation et de onction euh, chez les conciliaires sont très probablement invalides en raison d'un défaut ou en tout cas d'un doute au niveau de la matière, pas de la forme cette fois-ci, mais de la matière. La Béglaise ensuite fait un rappel magistériel et il nous évoque ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que l'intention ne s'apprécie pas par rapport à la subjectivité du ministre, mais elle s'apprécie par rapport à la bonne exécution du rite qu'il Exécute. Façon de dire, ben Wonder est peut-être hérétique, mais si jamais il fait un sacre, ça sera quand même valide. Et dans un ultime texte, la Gless conclut comme ceci, chers amis. Alors, précisément donc nous savons qu'il y a un doute concernant la validité pour les deux sacrements de l'extrême onction et de la confirmation en raison de la matière. Il y a aussi un doute pour le sacrement de l'Eucharistie pour la messe en raison de l'ambiguïté du nouveau rite qui peut fausser l'intention du célébrant. Formule très ambiguë. Il n'y a absolument d'ailleurs aucun doute sur l'invalidité de la fausse messe Paul VI. Elle est invalide parce que ni la matière ni la forme ne répondent aux prescriptions de l'Église. Je renvoie à mon émission sur Cadel Malais à ce sujet et j'en ai d'ailleurs reparlé à ma conférence faite euh, chez nos amis de catholiques de France. Et ensuite, là, on arrive, et là, je l'attendais au tournant, la Véglaise. Quant au sacrement de l'ordre, la problématique, s'il en est une, est analogue à celle de la messe. On ne saurait juger de la validité qu'au cas par cas des célébrations concrètes. Au cas par cas des célébrations concrètes. Donc au cas par cas, on peut apprécier que le sacre, un sacre fait par Wonder, Déjà, un sacre reçu par Wonder, puis un sacre fait par Wonder, serait valide. Il y a une note de bas de page de l'abbé Glaise. Il, il dit ceci Nous nous réservons de traiter cette question dans un prochain numéro du courrier de Rome. J'espérais qu'il la traite dans le courrier du Rome, de Rome du mois d'avril. Hélas, la question n'est pas traitée. J'espère qu'il la traita, traitera au mois de mai, mais je crains de deviner dans quel sens. Euh, penche la béglaise, je crains de deviner. Voilà. Euh, voilà. Donc en gros, il nous dit voilà, le modernisme personnel des ministres ne saurait influer sur leur intention, ce qui en soi techniquement est vrai. Hein. Bon, voilà. Euh, en revanche, les sacrements inventés par la secte, je le répète, sont invalides parce que, eh bien, euh, ils sont défectueux pour nombre d'entre eux, pour la plupart d'entre eux, au niveau soit de la matière. Soit de la forme selon les cas. Concernant le sacrement de l'ordre, ils sont défectueux concernant la forme du sacrement. Voilà. Alors, euh, chers amis, euh, tout ceci euh, hein, semble indiquer, comme je vous le disais, que euh, Wonder fera les prochains entre guillemets sacres à icône. Et s'il devait le faire, et eh bien les entre guillemets évêques ainsi hein, sacrés ne seraient pas de véritables évêques. Et si ces, entre guillemets évêques eh bien, ordonnés même avec le rite traditionnel. Euh, déclare, eh bien, il ne serait pas prêtre pour autant. Alors, qui s'attaque ainsi au sacerdoce, chers amis eh bien, il y a Bergoglio et sa secte, bien entendu. Mais la fraternité Saint-Pédis est complice de cela. Elle s'est retournée contre monseigneur Lefebvre, c'est un fait. Sinon, elle n'irait pas dans ce sens-là. Elle n'accompagnerait pas Bergoglio dans ce sens-là. Et je sais qu'il y a des tensions internes très fortes en ce moment. À la Fraternité saint c'est un secret de Polychinelle. Alors, question qui n'est pas une provocation. Tout cela n'est-il pas un mal pour un bien la, Le magistère de l'Église nous enseigne que tout mal est permis, non pas voulu, mais permis en vue d'un plus grand bien. À quoi sert la Fraternité saint depuis le milieu des années 80 à tout le moins elle sert à neutraliser par l'hérésie gallicane les âmes initialement désireuses de lutter contre Vatican II. Par le gallicanisme, elle fait sortir les fidèles de l'Église et elle fait que les intéressés, qu'ils soient clairs d'ailleurs ou laïcs, n'attaquent plus la secte conciliaire. On voit que la fraternité simpliste, depuis des années maintenant, n'attaque plus la secte conciliaire. Elle ne met pas en cause sa catholicité. Elle fait parfois des critiques de Bergoglio, du, de Vatican, II, etc. Mais en soi, elle n'attaque pas la secte, elle la reconnaît comme étant euh, l'Église instituée par Jésus-Christ, qui est quand même une bonne blague en 2023. Et ça a été même un peu avant. Petite parenthèse. En France, il y a une quinzaine de prêtres de non Dans la fraternité saint aujourd'hui en France, il y a 300 clercs validement ordonnés. Si la fraternité Saint-Pédis était catholique, nous aurions donc 300 prêtres de position nanonacum. Et comme je vous l'ai dit, à la place, on en a 15. Donc, les forces de résistance potentielles sont divisées par 20, chers amis, par 20. Voilà à quoi sert le gallicanisme. Il sert à neutraliser les forces de résistance après les avoir regroupées. Donc il faut mettre un terme à l'imposture de la fraternité saint pidice Il faut mettre un terme à cette vaste entreprise de vampirisation des forces de résistance qui est menée par la fraternité Saint-Pédis. Et il faut avoir le courage de reconnaître qu'à l'instar des templiers ou des chevaliers teutoniques, après avoir rendu des services incontestables à l'Église, et encore une fois, nous remercions Seigneur Lefebvre et nous exprimons notre reconnaissance pour le bien qu'il a pu faire, notamment pour la défense du sacerdoce. Donc reconnaissons, je le répète, qu'à l'instar des Templiers et des Chevaliers Teutoniques, après avoir rendu des services à l'Église, eh bien le démon a retourné la Fraternité saint contre l'Église. C'est évident, chers amis. La Fraternité est devenue un instrument contre l'Église. Je répète, elle divise en France, par 20, les forces de résistance. Voilà. Donc il faut le dire et il faut le dénoncer. L'opération Wonder ira-t-elle à son terme Je ne sais pas. <laughs> je n'ai pas de boule de cristal. Et je n'en souhaite pas d'ailleurs. Euh, mais en tout cas, le mouvement des plaques tectoniques est celui-là, chers amis. Pour l'instant. Pour clore ce sujet, je lance un appel aux prêtres de la fraternité Saint-Pédis, qui peut-être, par extraordinaire... Tomberait sur cette vidéo. Cet appel est fort simple. Je leur dis, partez. Partez de la fraternité Saint-Pilice. Pourquoi restez-vous dans une société religieuse qui ne professe pas la foi catholique et qui attaque la foi catholique Pourquoi restez-vous dans une société religieuse qui professe l'hérésie L'hérésie gallicane notamment. Pourquoi restez-vous dans une société religieuse qui est ralliée à la secte conciliaire et qui reçoit de la secte conciliaire son, sa juridiction Pourquoi restez-vous dans une société religieuse qui est Unakum né de clown Pourquoi Partez de la fraternité Saint-Pédis, rejoignez l'église, rejoignez le combat, on a besoin de vous. Et y Beaucoup de gens m'ont dit que la fraternité Saint-Pédis aujourd'hui, il y a beaucoup de clercs de très bonne volonté. Qui font tout le bien qu'ils peuvent pour les âmes. Mais oui, mais il faut combattre aussi, il faut combattre. Et il faut rejoindre l'Église catholique. Partez de la fraternité Saint-Pédis. Des dizaines de prêtres ont quitté la fraternité Saint-Pédis pour mener un ministère catholique et pour combattre la secte conciliaire. C'était dur. Certains d'entre eux se sont fait bannir sans le moindre ménagement. Voilà, donc ils ont eu des périodes très difficiles. Mais au final, ils ont tous retrouvé un ministère. Et ils combattent. Et aucun n'est mort de froid sous les ponts. Alors je demande aux prêtres de la Fraternité saint qui nous écouteraient par extraordinaire de quitter la Fraternité saint Ce n'est pas que je leur demande, c'est que je, je les supplie à genoux en fait. Je les supplie à genoux. Partez et rejoignez-nous dans le combat. Voilà. Et aussi, bah, je m'adresse euh, aux fidèles de la Fraternité Saint-Pédis. Et je leur dis bah, si par extraordinaire vous tombez sur cette vidéo, parlez-en à vos clercs. Et mettez-les face à leurs responsabilités. Posez-leur la question. Demandez-leur s'il est possible que l'Église professe l'erreur pendant des décennies. Demandez-leur ce qu'il faut penser de cette affaire Wonder demandez-leur si les sacrements inventés par la secte sont valides ou pas. Mettez-leur la pression, mettez-les face à leurs responsabilités et voyez leur réaction. C'est ça fait partie de votre de, de, de votre devoir, cher fidèle le, le Mais vous aussi cher fidèle le fébriste, je vous dis, partez de la fraternité cynisme maintenant. Arrêtez, arrêtez le massacre. À quoi ça sert de rester dans une société si vous voulez être catholique Pourquoi vous restez dans une société religieuse qui ne professe pas la foi catholique et qui demain, semble-t-il, n'aura pas forcément tous ses sacrements catholiques Pourquoi restez-vous dans une société religieuse qui est ralliée à une secte, qui est soumise à une secte, qui a pour pasteur légitime une secte moderniste Quelle est la logique de cela quand on se dit catholique Le catholique est intransigeant sur les principes. Donc, chers fidèles le je sais qu'il y a des gens très pieux chez vous. Partez de cette société religieuse. Partez. Voilà. On aimerait vous dire le contraire, hein, mais bon, <laughs> tels sont les faits. Tels sont les faits, chers amis. Vous savez, tôt ou tard, les Gallicans mangeront leur chapeau. Le bon Dieu leur fera manger leur chapeau. Donc, autant ne pas. Euh, voilà, autant que ça ne vous arrive pas. Et autant tirer les, les justes conclusions tout de suite. Voilà. Donc rejoignez l'église, rejoignez le combat, partez de la fraternité Saint-Pédis, que vous soyez clair ou fidèle. Et je vais vous dire, pour terminer là-dessus, moi, ce qui m'inquiète le plus chez les fidèles Févriste, ce sont les jeunes. Je vous le dis franchement. Hein. Parce que les retours que j'ai des jeunes sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, ils me font froid dans le dos. Parce que autant euh, vous discutez avec un fidèle, euh, on va dire, euh, qui a généralement pris la cinquantaine à la fraternité, entre guillemets, il est quasi est des vacantistes. Dans sa tête, euh, il est à la fraternité parce qu'il est en opposition à Bergoglio et à Vatican II. Les jeunes avec qui j'échange, c'est pas du tout ça leur mentalité. Ils nous disent, mais nous, on est en communion avec Rome. On est content d'être en communion avec Rome et on veut un ralliement toujours plus, plus clair, net et précis. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, sans doute, hein, parmi les jeunes. Hein. Euh, et il y en a aussi euh, des gens plus libérales, des personnes plus libérales, pardon, parmi les personnes plus âgées, mais Globalement, me semble-t-il, c'est comme ça que les choses se produisent. La jeunesse de la Fraternité saint me fait peur, je vous le dis franchement. Bref, j'invite tous les catholiques égarés qui sont à la Fraternité saint eh bien, d'en partir et je les invite euh, bah, à rejoindre euh, le combat catholique, tout simplement. Voilà. Et nous dénonçons donc cette opération Wonder. Voilà, donc pierre avant de prendre euh, les questions, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Mais s'il y a des questions, qu'elles soient posées d'ores et déjà et qu'on n'attende pas. Euh, la fin, voilà. Ça, ça, ça <coughs> discute beaucoup, mais je n'ai pas vu de questions à te poser. Ouais, alors c'est pas fait pour. Ça s'appelle chat, mais c'est pas fait pour raconter <laughs> votre vie en fait. Hein, à la base, hein, c'est fait pour poser des questions afférentes au sujet de l'émission. Bref, c'est pas grave. De notre côté, ça, ça fait du bien aux gens puis On va, bon, hein, on va pas, voilà, on va pas les empêcher. Hein. Alors, on va passer maintenant, chers amis, à la deuxième partie de cette émission, partie beaucoup plus joyeuse beaucoup plus lumineuse, et je vous en parle vraiment avec le sourire, parce que je suis très heureux de cet ouvrage que vous voyez là, et qui s'appelle « Puissance de la grâce ». C'est un ouvrage euh, qui met la patate, voilà, pour dire les choses un peu familièrement. Donc ce livre, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un recueil de récits de conversion à la foi catholique, à la vraie foi catholique, chers amis. Cet ouvrage, c'est une autre façon de faire l'apostolat, et j'espère que les personnes qui n'ont pas encore été touchées par les démonstrations techniques que nous faisons à ce micro ou qui sont faites d'ailleurs ailleurs. Eh bien, j'espère que ces personnes seront en revanche touchées par ces témoignages et que ça leur permettra de euh, de, bah de se convertir quoi, tout simplement. Alors pourquoi ce livre Bah en fait, c'est très simple, c'est qu'à chaque fois que je rencontre un converti et j'en suis un moi-même, euh, je suis toujours époustouflé par euh, les trésors d'imagination de notre Seigneur en fait. Euh, je suis époustouflé par le fait que le bon Dieu arrive à se servir d'absolument tout et n'importe quoi pour amener des gens à l'église. Voilà. Et à chaque fois, je me dis ça, c'est extraordinaire, il faudra en parler. Quoi, voyez Donc c'est un ouvrage qui est fait pour glorifier Dieu, pour glorifier la grâce. Euh, enfin, voilà, pour, pour, oui, pour glorifier le bon Dieu, euh, euh, puisqu'on montre, eh bien, comme son nom l'indique, euh, la puissance de la grâce. Et donc ben j'ai demandé à des gens euh, dans toute la France, dans les paroisses que je connais, alors je les connais pas toutes, hein, mais dans quelques paroisses j'ai des contacts, et ben je leur ai demandé euh, ben de, de recueillir des récits, des récits de conversion. Voilà. Donc il y a des personnes que je connais personnellement, mais la plupart je crois que je, 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 je ne les connais pas personnellement j'ai moi-même d'ailleurs apporté mon témoignage et sans fausse modestie c'est pas, pas le plus important euh, ce qui est intéressant si vous c'est que je parle de l'abbé Schaeffer euh, parce que qu j'ai rencontré l'abbé Schaeffer qui était donc un prêtre sévacantiste, alors lui qui a été ordonné par Mgr Tuc, mais qui était à la fraternité Saint-Pédis euh, je l'ai rencontré en, 2000, en août 2011 et c'est lui qui a contribué à me mettre le pied à l'étrier je dirais de, donc dans ce cheminement spirituel qui a fait que je devienne catholique donc, je le remercie d'ailleurs, il nous a quitté euh, à l'été 2013, voilà, donc euh, je l'en remercie. Euh, voilà, mais donc vous disais, mon témoignage, c'est vraiment pas le, le plus intéressant. Euh, alors, les profils <coughs> qui ont témoigné sont très variés. Il y a des hommes qui ont témoigné seuls, des femmes qui ont témoigné seules, il y a des témoignages de couples, on a même un fidèle qui est handicapé, qui très qui a témoigné. Il y a des gens qui viennent de la vie païenne, de, du néant si je puis dire. Il y a des gens qui viennent de la religion concilière. Il y en a qui viennent de la religion juive, de la religion lefévriste, etc. Donc vraiment des, des profils divers et variés. Parmi les personnes entre guillemets un peu connues euh, sur YouTube, il y a votre serviteur qui a témoigné, il y a Ciel Dubois et il y a Pascal Hamel, camarade québécois. Euh, donc, euh, voilà, euh, certains sont arrivés à la position de Nunakum d'un seul coup, d'autres, en revanche, ont eu un long cheminement et ont franchi tous les échelons. Je pense par exemple au tout dernier témoignage qui est très long, c'est une sorte de petite nouvelle très sympathique euh, qui fait euh, ouais, quasiment 30 pages, je crois. Et, et donc, c'est un témoignage de Marie. Et Marie eh bien, euh, nous raconte le cheminement de toute sa famille. Et sa famille, donc, a commencé au modernisme neneux. Pour passer ensuite au modernisme normal, ensuite, Église Fraternité Saint-Pédis, Résistance, position de c'est-à-dire Église catholique. D'ailleurs, concernant la position de Nonnacum, il y a une bonne formule de Quentin qui nous dit ceci La conclusion de s'impose d'elle-même. C'est l'unique réponse limpide, je dis bien l'unique réponse limpide dans ce qui est appelé la crise de l'Église. Ce sont les seuls lieux qui ont conservé le dépôt sacré l'enseignement de l'Église, sans rien ajouter ni retrancher. Retenez cette formule qui est excellente. L'unique réponse limpide, je dirais limpide comme la foi. Mais est-ce que la religion lefévriste apporte une réponse limpide Posez-vous la question. Et est-ce que les conciliaires conservateurs, eux, apportent une réponse limpide, alors qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux sur l'essentiel, sur le champ de l'infabilité, etc. Posez-vous la question. Nous sommes la position de Nakoum et la seule réponse limpide. Voilà, donc tous ces témoignages de vie sont très différents les uns des autres. Euh, et puis il y a des personnes je, aussi de générations très différentes. On a des gens très jeunes qui ont attesté et on a des personnes parfois âgées, euh, beaucoup plus âgées. Voilà. Donc tous ces témoignages, je vous disais-je, sont différents, mais il y a parfois des traits communs. Alors le premier trait commun, c'est l'aide de la Sainte Vierge. Plusieurs témoins en parlent. J'évoquerai ça tout à l'heure. Le deuxième trait qui revient souvent, pas tout le temps, hein, mais qui revient quand même pas mal de fois, c'est le Covid. Le Covid a été une période euh, pendant laquelle beaucoup de gens, semble-t-il, ont cogité dans le bon sens. Donc Benoît nous dit déjà, citation, que la farce Covid a fini par me rendre un immense service. Écoutons ce que nous dit Pascal Hamel à ce sujet. Donc il nous dit euh, que l'événement déclencheur... A eu lieu au début de la crise Covid en mars 2020. Il est devenu clair à mes yeux que de vrais pasteurs catholiques n'auraient jamais permis la disette de sacrement, peu importe le motif. Plus loin, le point tournant dans le nouveau sordo a été lors de mon assistance à la messe de la veille de Noël. Nous n'étions que 15 fidèles dans l'église à cause des restrictions sanitaires. La plupart portaient des masques. À ma grande déception, il n'y avait pas de prêtre présent et donc pas de messe. C'était un diacre qui animait une liturgie de la parole. Ce diacre, dans son homélie, a comparé la naissance de notre Seigneur avec la soupe chimique qui était sur le point d'être disponible à l'échelle mondiale. Avec beaucoup d'enthousiasme, il dit Enfin nous sommes libérés, Jésus arrive en même temps que le vaccin. J'étais assommé d'entendre pareille sottise qui, à mes oreilles, sonnait comme un terrible blasphème. S'en fut assez, suite à cet événement, j'ai quitté pour toujours. Le Novus Ordo. Gabriel nous dit également ceci. Un petit instant. Je garde un très mauvais souvenir de la communion à la paroisse, car pendant le Covid, le prêtre, après s'être fait purifier les doigts, se les désinfectait au gel hydroalcoolique avant de distribuer les hosties. Cela me rendait malade et je crois que ça l'a rendait malade à juste titre. Voilà. Donc le Covid a fait cogiter beaucoup de gens. Troisième chose euh, que je voudrais souligner et qui revient à plusieurs reprises, c'est que les convertis se rendent compte que chez les conciliaires, on ne leur a rien appris sur les vérités essentielles de foi. Écoutons ce que dit Pascal Hamel suite à sa lecture du catéchisme de Saint Pidis, enfin, ou pendant sa lecture, en lisant le vrai catéchisme de l'Église catholique, j'ai constaté toute mon ignorance des choses de Dieu. Sur le coup, j'étais choqué et déçu d'avoir manqué cette instruction essentielle du catéchisme étant enfant et adolescent. Autre témoignage donc de Marie qui nous dit ceci quand elle était jeune fille à l'époque, je crois. Le point de bascule fut la découverte du catéchisme Saint-Pédis. Très régulièrement, je devais apprendre par cœur les questions-réponses que mes parents me faisaient réciter le soir. À mesure qu'ils m'interrogeaient, leur ignorance de la foi semblait de plus en plus évidente. Plus loin de son côté, papa commençait à s'interroger sérieusement à propos du catéchisme que j'apprenais. Comment a-t-il pu passer à côté de ces enseignements toute sa vie Lisez le catéchisme de Saint si vous l'avez pas fait. Le catéchisme de la chrétienne, le CSRB vient euh, d'en faire d'ailleurs une nouvelle édition. Hein, donc euh, vraiment, ça c'est une des lectures principales. Moi-même, je rends hommage à, entre guillemets, à ce catéchisme hein, puisque c'est ça euh, qui, a, qui a été l'objet de ma première conversion, si je puis dire. Qui est un levier pour ma première conversion, si vous préférez. Donc voilà pour quelques traits. Alors, euh, je, je rappelle hein, que si vous voulez vous procréer ces deux ouvrages, c'est sur le site de la maison d'édition de l'Estocade et que Pierre Thiermont a généreusement mis en description les liens vers euh, ces deux ouvrages. Alors, euh, ce soir, on va quand même évoquer, si vous le voulez bien, chers amis, euh, quatre témoignages. Il y a 18 témoignages. Et si jamais nous faisons une nouvelle édition, eh j'espère qu'il y en aura de nouveau. Euh, mais pour l'instant, nous avons 18 témoignages. Et ce soir, je vais en évoquer euh, 4 avec vous. Alors, le premier que je vais évoquer, c'est celui de A. Alors, c'est pas moi, hein, c'est un d autre. Hein. <laughs> Donc, A euh, vient de la religion juive. Et euh, après avoir décidé de ne plus aller à la synagogue, et après euh, avoir été choqué par des prescriptions Talmudiques, eh bien, euh, il enclenche, euh, il enclenche euh, un cheminement, un cheminement spirituel et politique. Et il nous dit que le maréchal Pétain a été sa porte d'entrée vers l'Église. Alors, suite à cela, donc, ben, donc il chemine, hein, il chemine, il chemine, et puis, ben, que fait-il Naturellement, il téléphone au diocèse, euh, de, au diocèse euh, de, de là où il habite, de son département. Et il téléphone pour demander des renseignements pour se faire baptiser. Mais grave erreur, grave erreur, il appelle le vendredi en fin d'après-midi, à l'heure de partir en week-end. Quelle idée Donc il appelle et il tombe sur un clair conciliaire. Et lui, dit voilà, je souhaiterais me faire baptiser, etc. Est-ce que je peux avoir des renseignements Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne, le processus, etc. Et le clerc lui répond, mais vous pensez que c'est une heure pour appeler pour un baptême Et il raccroche. Si ça c'est pas la providence, moi je m'y connais pas, <laughs> franchement. Merci à ce clerc concilière d'avoir sauvé l'âme euh, ou d'avoir contribué en tout cas à cela, euh, de l'intéresser. Donc suite à ça, euh, donc A est assez euh, étonné, c'est le mot qu'on puisse dire, et il va donc continuer à cheminer. Et il va arriver. Dans une paroisse, non un coup, mais il va aller à sa première messe. Donc petite citation. Après ma première messe, le prêtre me demande mes motivations dans le but de mieux cerner ma personne. Il finit par me demander si je reviendrai à la messe le dimanche suivant. Puisque mon anniversaire tombe également ce dimanche-là, je lui réponds tout naïvement que, le fêtant la veille au soir, je ne peux pas garantir mon état le lendemain matin pour une messe à 10h. Sa réponse pleine de vérité est un électrochoc indispensable. Vous savez, A, on ne peut pas demander le baptême sans vouloir changer de vie. On ne peut pas devenir catholique et continuer à vivre la même vie. J'espère vous voir dimanche matin, 10h à la messe. Et notre cher A est revenu le dimanche matin à la messe et il a pu aller au bout de son parcours de conversion. Spéciale efficace tout de même à ce clerc conciliaire, n'est-ce pas, qui renvoie euh, dans leurs cordes les personnes désireuses de se faire fin de devenir catholiques et de se faire baptiser. D'ailleurs, il ne serait pas devenu catholique, il aurait intégré une secte. Donc, euh, encore une fois, ce clerc euh, a été un instrument de la Providence. Alors, autre témoignage, c'est celui d'un couple de GM et NC. Tous deux euh, ont été baptisés dans les, dans les années 60. Mais à l'instar de quasiment toute une génération, et eh bien ils ont tout abandonné et euh, bah, ils ont apostasié, tout simplement. Voilà. Donc ce témoignage est extrêmement important et il est extrêmement intéressant parce qu'il démontre la capacité de relèvement spirituel d'une personne, d'un être humain. Relèvement spirituel d'un être humain. Donc JM et NC. Euh, sont guidés par un esprit critique, ils cheminent également politiquement, spirituellement, et pendant le Covid, eh bien, ils prient la Très Sainte Vierge Marie, et dès qu'ils le peuvent, eh bien, ils décident de retourner à l'église, et donc ils vont à l'église de l'enfance de NC, et là, ça se passe pas bien. Pourquoi Parce que ils constatent qu'il y a une absence totale de sacré. Donc pas l'impression, en quelque sorte, d'être à l'église, quoi. Deuxième problème, euh, NC tenait à se faire confesser, et donc il se, entre guillemets, confesse à un clerc conciliaire, assis sur une chaise, et non pas à genoux, bref. Euh, et... Euh et donc, quand le clerc conciliaire dit les paroles de l'absolution, NC a un doute au sujet de ces paroles. Il se pose des questions. Il dit, ça, je m'étais renseigné, et c'est pas ça que j'avais vu comme parole de l'absolution pour la confession. Donc, pour ne pas rester sur une mauvaise impression, que font-ils Ils vont dans une deuxième paroisse conciliaire. Mais là, c'est la même déception. Alors, ils continuent de cheminer, et surtout, ils continuent de prier, et ils ont les grâces pour découvrir la position non Et au-delà de la position non pour découvrir la vie catholique. C'est toute la vie catholique qu'ils vont découvrir. Alors quelques citations si vous voulez bien. Alors, <coughs> euh, donc, déjà ils expliquent qu'ils ont fait une nouvelle confession générale, hein, je précise. Donc depuis, vous imaginez bien, notre vie a radicalement changé. Nous avons dû tout découvrir de la véritable pratique religieuse avec les bouleversements et les sacrifices qu'elle exige de la part de personnes élevées dans le mensonge et la permissivité, pardon, du monde moderne. Aujourd'hui, nous goûtons chaque jour avec joie le plaisir de prier et les nombreuses grâces qui nous sont accordées en retour par le ciel. Nous ne saurions vous expliquer sans les minimiser la valeur et les qualités incomparables des véritables fidèles catholiques. Pour tout vous dire, nous avions renoncé à l'idée même de pouvoir encore trouver de telles personnes dans la société actuelle. Nous pouvons véritablement vous avouer que, même si nous ne connaissons qu'une infime partie d'entre eux, nous les aimons vraiment tous sincèrement, où qu'ils soient, par le simple fait qu'ils sont nos frères et sœurs dans la foi et qu'ils partagent nos valeurs et notre amour de Dieu avec ferveur. Nous sommes également conscients de leur devoir à tous, notre conversion, eux, qui plusieurs fois par jour, pour celles des pauvres pécheurs. Nous remercions du fond du cœur nos prêtres catholiques et les frères et sœurs des différentes congrégations religieuses qui, au quotidien peu nombreux, dans l'abnégation la plus totale et dans de grandes difficultés financières, se sacrifient tous les jours pour nous fournir à tous les moyens d'accès au Saint-Sacrement et nous permettent ainsi de nous sanctifier afin de sauver nos âmes. Mais surtout, nous ne remercierons jamais assez la Sainte Vierge Marie d'avoir répondu à notre appel, ainsi que la miséricorde de Dieu d'avoir permis notre retour parmi ses fidèles. JMNC termine en lançant un appel aux personnes qui ne sont pas encore convaincues du bien fondé de la position de Nounakum. Petit extrait. Fuyez ces messes sacrilèges qui sont célébrées dans des églises profanées par les membres de la secte. Sachez que ces faux pasteurs, suite à l'invalidité de leur ordre, ne sont réellement que de simples laïcs, et que par la même, ils ne peuvent en aucun cas vous administrer validement le moindre sacrement. Rejoignez la véritable Église catholique, qui respecte la tradition apostolique, et venez à la messe de toujours, la sainte messe, à ce jour uniquement de Nunacum, la seule qui plaise à Dieu, la seule qui plaise à Dieu. Manifestez ainsi à la Très Sainte Trinité le respect. Et la véritable dévotion que vous lui devez, et revenez dans son cœur pour le salut de votre âme et celle de vos enfants. Pour finir, et si après avoir lu tout ceci, vous hésitez encore, alors priez. Priez beaucoup la Sainte Vierge Marie pour qu'elle intercède auprès de son divin Fils, afin qu'il vous libère des pièges du démon et qu'il vous ouvre les yeux sur la vérité, et que cela vous permette enfin de faire les bons choix. Aimez soit partout le Sacré-Cœur de Jésus, et que la Très-Sainte Trinité et la Très-Sainte Vierge Marie soit loué par tous, maintenant et dans l'éternité. JM et NC, deux pauvres pêcheurs enfin convertis. Très beau témoignage. Et je les remercie, ainsi que toutes les personnes qui ont attesté, eh bien, euh, de s'être prêtés, si je puis dire, à l'exercice. C'est un livre aussi qui vous fait passer des rires aux larmes, parce qu'il y a des scènes parfois comiques, hein, je vous le dis, et il y en a qui parfois vraiment euh, vous touchent profondément. Et certains sont vraiment euh, poignants, je dirais, d'humilité. Arrivons à un troisième témoignage qui est celui de G. Alors notre ami G, eh bien, c'est un ancien militaire et il vient de la vie païenne. Il a un long cheminement nourri no no notamment par son parcours militaire et je dirais par les séquelles qui en résultent fatalement. La Très Sainte Vierge lui a également apporté une très grande aide. Donc il découvre les sphères dites traditionalistes. Et euh, à cette époque, eh bien, il va subir une attaque extrêmement violente. Vous devinez de la part de qui Citation. Ça ne dure que quelques secondes, mais me paraît être une éternité tant le choc est violent. Je suis pétrifié. Sur le moment, je n'ai pas la force de prier. C'est comme perdre tous ses moyens, toutes ses forces. Ce n'est qu'après de longues minutes que je supplie la Sainte Vierge. De venir me secourir. Je ne vous détaille pas à ce micro euh, comment s'est fait cette attaque. Il va ensuite chercher la véritable Église et, dans un premier temps, eh bien, il va tomber dans la fraternité Saint-Pinis. Mais en continuant de cheminer, il va la quitter. Il va la quitter en appliquant, enfin, plutôt parce qu'il applique un raisonnement de bon sens. Citation. Et là, c'est le militaire qui parle, vous allez voir. Arriveriez-vous à appartenir à un groupe qui vous dit que votre chef se trompe, qu'il faut l'accepter en tant que tel, tout en lui désobéissant ouvertement Moi, non. Un chef, on le respecte, on lui fait confiance et on lui obéit parfaitement sur tout ce qu'il nous dit. Point. Sinon, il n'est pas chef et nous ne sommes pas ses subordonnés. Voilà ce que je croyais en tant que militaire. Il faut savoir transposer ce principe à l'Église et au Pape. Le Pape est le vicaire du Christ sur Terre. Il est l'ultime rempart de la foi catholique. Il ne peut se tromper en matière de foi et de mœurs. Il est infaillible dans le cadre de son magistère extraordinaire et ordinaire. Donc, si comme Bergoglio et ses prédécesseurs, il professe à tout moment hérésie sur hérésie et fait des actes d'apostasie publique, il ne, pas, il ne peut pas être Pape. C'est ce qu'il fallait démontrer. Raisonnement de bon sens, chers amis le févriste qui m'écoutait, prenez exemple sur G et appliquez son raisonnement et sa logique. Donc, J. nous parle beaucoup de l'aide que la Sainte Vierge lui a apportée, et il conclut euh, par des lignes à son sujet. Et maintenant? Maintenant, au-delà de mon quotidien qui se passe de récit, je prie tous les jours la Sainte Vierge pour la conversion des pécheurs, car c'est grâce à elle et à sa puissante intercession que nous pouvons trouver la vraie foi et nous convertir véritablement. Elle seule peut conduire des pécheurs comme moi, partant de rien, à son divin Fils. Elle veut nous conduire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donnez-lui toute votre confiance. Chaque jour, je me rends compte des grâces immenses que j'ai reçues, et je remercie profondément la Très-Sainte Vierge d'être venue m'extirper de ma vie passée. La Mère de Dieu m'a donné la force et le courage de me battre spirituellement. Je lui dédie ce témoignage et vous conjure de propager à votre prochain une forte dévotion envers elle. J'ai été fier d'être militaire et le serai toujours. Je ne porte plus le tri, mais je tâche malgré tout d'en garder l'esprit. Cette abnégation, d'audace, cet esprit pardon d'abnégation, d'audace et de courage. Désormais, depuis ma confirmation, je suis un soldat du Christ et je me battrai pour lui seul. Si Dieu le veut, je tâcherai de me montrer digne en temps voulu. Quel message voudrais-je faire passer à travers ce court témoignage Ne désespérez jamais et n'ayez pas peur. La Très-Sainte Vierge est Notre-Dame de la Sainte Espérance, le refuge des pécheurs, l'étoile de la mer, Ave Maris Stella. Elle nous guide, nous donne l'espérance si essentielle dans ce monde en proie à toutes les vanités et vicissitudes. Il ne faut pas attendre que tout nous semble perdu pour prier Dieu et la Très-Sainte Vierge Marie. Confiez-vous en la Très-Sainte Vierge Marie. Elle ne vous abandonnera jamais. À l'échelle collective, c'est ancré au fond de nos consciences, dans nos mœurs, notre culture. Le christianisme est notre racine à nous, Français. La France est le royaume de Marie. Elle lui a été consacrée sous Louis, sous Louis XIII. Donc ayez confiance, un jour son cœur immaculé triomphera. Un jour, le sacré cœur de notre Seigneur règnera. Résistons et battons-nous pour l'amour que nous portons à notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte mère, l'Auguste Reine des Cieux, l'espérance ferme comme le roc. Un autre très beau témoignage. J'arrive maintenant au dernier témoignage que je voulais vous évoquer ce soir. C'est celui de Marie, dont je voulais vous évoquer. C'est un très long témoignage, qui fait une trentaine de pages, qui est en fait une quasi nouvelle. voyez, euh, Et donc qui nous évoque tout le cheminement d'une famille euh, vers l'Église catholique. Je pourrais dire énormément de choses au sujet de ce témoignage. Euh, ce soir, je vais me focaliser uniquement sur deux passages. Marie nous raconte donc comment sa famille a quitté la fraternité Saint-Pédis et comment à ce moment-là, sa famille a soutenu les prêtres de la fraternité Saint-Pédis qui s'opposaient au ralliement opéré par Monsignor Follet et sur lequel d'ailleurs la fraternité Saint-Pédis n'est jamais revenue, l'abbé Pagliarani n'est jamais revenu sur ce qu'a fait Monsignor Follet. Je le dis en passant. Euh, donc, euh, citation. Je dois faire une parenthèse sur le piège infâme tendu par la fraternité en 2014 aux prêtres dissidents. L'objectif était de les infiltrer pour les identifier et ainsi les confondre. Donc là, Marie fait une citation d'un ouvrage de l'abbé Pivert qui s'appelle Quel droit pour la tradition catholique, acte des procès des abbés Salnave et Pinault. Donc, citation. L'abbé Benoît, alors je ne sais pas comment on prononce, Véliez, supérieur du district de Belgique Pays-Bas, créa une adresse e-mail fictive au nom de l'abbé Pinault et s'en servit entre trois et cinq fois pour piéger des confrères ou laïcs impliqués dans la rébellion contre Mgr Follet. L'abbé Rioux fut le premier visé et le premier à mordre et à se dévoiler. Monseigneur Williamson fut aussi pris au piège. Fin de la citation. L'abbé Salnave fut également fiché. Le 18 mars 2013, Mgr Fellet érigea un tribunal ecclésiastique en nommant comme juge l'abbé Henri Vuilloux, supérieur du district de Suisse et comme assesseur l'abbé Vincent Kilton, professeur de morale à Écône. L'abbé Pinault choisit l'abbé Piedvert comme avocat, mais ce dernier fut récusé, et c'est seul qu'il dut assumer sa propre défense. L'abbé Riou ne fut jamais jugé, il préféra quitter la fraternité de lui-même. Les abbés Salnav et Pinault furent déclarés coupables d'actes séditieux, prières de ne pas rire, relevés de leur ministère et astreints à résidence forcée pendant plusieurs mois dans des priorés en Italie et en Autriche. Voilà pourquoi euh, il y a si peu de rébellion, justement, au sein de la fraternité saint quand on voit les méthodes brutales qui sont employées. Pour plus de détails, je vous renvoie à l'ouvrage l'abbé Vert qui s'appelle Quel droit pour la tradition catholique Alors, donc, cette, la famille de Marie chemine et elle finit par arriver chez, euh, alors dans la, chez, oui, chez un curé. J'ai bien dit un curé, chers amis, chers amis. Le curé Fleury, dans la commune de Marzy, à l'église Saint-André. Donc, Marie nous fait un très beau portrait de euh, ce vieux curé qui est décédé il y a très peu de temps d'ailleurs. Euh, donc, voilà, donc elle nous fait donc, pardon, un, un très beau portrait de ce clerc. Alors, citation Alors qu'il était jeune prêtre, ce curé de paroisse avait d'abord cédé au changement du conciliabule. Mais lorsque le bréviaire fut modifié, il se souvint des avertissements de son professeur de séminaire. Citation Une révolution va s'opérer dans l'église, surtout promettez-le-moi. Si les modernistes arrivent à atteindre le bréviaire, fuyez, c'est tout le sacerdoce qui est menacé. Courageusement, il reprit la célébration de la messe catholique en latin, emmenant toute sa paroisse à braver la tempête. Les conciliaires étaient bien embêtés face à la détermination de ses clercs et la fidélité de ses paroissiens. Ils cherchèrent à l'exclure par tous les moyens, mais ce bénédictin coriace fut endurant jusqu'au bout. Il passa l'intégralité de sa vie à défendre sa famille Douaille et son église dont on essayait de le déposséder. Les modernistes nommèrent un nouveau curé pour Marzy, mais personne n'assistait à ses messes. Ils abandonnèrent cette tactique et s'emparèrent de la séduction sous apparence de bien, espérant peut-être l'amollir par le confort. En hiver, le diocèse lui reprocha gentiment ⁇ Mais cette église est une chambre froide, nous allons vous remettre le chauffage, vous y serez bien mieux ⁇ Il refusa. Il refusa catégoriquement. Lui aussi avait sa stratégie. Il comprit que le froid tiendrait les modernes à distance de Saint-André. Il préférait brûler du feu de la vérité plutôt que de s'abandonner aux douceurs d'un chauffage et aux tiédeurs de la compromission. Tous les jours, le vieux prêtre célébrait sa messe à bord de son navire battu par la mer, en furie. J'ai encore l'image de cet ancien moine, courbé par les années, si petit face à l'immensité, des murs glacés, à genoux devant l'autel sacrificiel, en dépit de sa santé défaillante. Lorsqu'il se relevait pour chanter le Kyrie ou le Sanctus, l'écho de ses vibrations se répercutait sur chaque fidèle, et la puissance qui émanait de ce vieil homme affaibli témoignait de la grandeur de Dieu. C'est grâce à lui que je me suis réellement converti. Nous allions à la messe avec de triples épaisseurs, des bottes rembourrées et des paires de gants, mais chaque sermon, avait le goût du ciel et nous redonnait l'ardeur du combat terrestre. Ses yeux d'un bleu à vous transpercer l'âme se posaient sur chaque visage avec une douceur et une force à vous convertir en blasphémateur. Les bénitiers avaient gelé, mais notre foi et notre détermination étaient brûlantes du courage de ce prêtre qui annonçait publiquement ne pas citer le nom de Bergoglio au canon de la messe. Saluons, chers amis, la mémoire de ce courageux curé Fleury. Voilà, donc comme je vous le dis, c'est euh, une autre forme d'apostolat, une, une forme d'apostolat plus vivante, plus incarnée. Et c'est un livre qui vous fait passer du rire aux larmes. Et vraiment, c'est un ouvrage très poignant que je relis euh, avec plaisir. J'ai fait une petite intro euh, et j'ai fait aussi une conclusion. Euh, donc je vous ai dit, hein, double conclusion sur l'abbé Vigano et euh, le synode sur la synodalité. J'espère que nous pourrons faire une deuxième édition de ce livre, et que nous aurons de nouveaux témoignages à ajouter à cela. Voilà. Je vous parle pas beaucoup aujourd'hui de mon livre sur Mgr Gaume. Je pense que je ferai une émission euh, spécialement consacrée à Mgr Gaume. Ou du moins une partie de l'émission sera consacrée à Monsigneur Gaume. Qu'est-ce que c'est ce livre, chers amis? Dans un premier tiers, eh bien, je présente l'œuvre de Mgr Gaume et ses grands combats. Et par ailleurs, je démontre... Que le neveu sordo est la cause, je démontre en me fondant sur les travaux de M. que le neveu sordo est la cause de la restauration du sacrifice humain. Oui, j'ai bien dit. Puisque M. Rogome nous dit que toute société repose sur le sacrifice, soit sur le sacrifice divin, lorsque la société est catholique, donc le sacrifice divin c'est la sainte messe, soit sur le sacrifice humain. Donc plus une société se déchristianise, plus. Elle devient, enfin plus elle, elle retent vers le sacrifice humain. Du jour au lendemain, lorsqu'on a adopté le Novus Sordomice, donc la fausse messe Paul VI, des centaines de milliers de prêtres qui disaient la messe au quotidien ont cessé de dire la messe au quotidien pour dire la fausse messe Paul VI. Cela a donc laissé le champ libre au sacrifice humain. Et que s'est-il passé peu de temps après l'adoption du Novus Sordomice Partout, dans, en Occident, on légalise l'avortement. L'avortement, c'est un sacrifice humain. C'est un assassinat. Voilà. Donc, premier tiers, je présente l'œuvre de Monseigneur Gaume et je démontre euh, en quoi son œuvre est utile pour mener nos combats. Ensuite, il y a un petit chapitre sur les meilleures citations, sur les meilleures lignes coup de poing, n'est-ce pas Comme on dit en traduit de l'anglois, de Monseigneur Gaume. Voilà. Monseigneur Gaume a parfois de l'humour d'ailleurs. Hein. Ce qu'on appelle le beau monde et que j'ai le mauvais goût de ne pas trouver tel voilà euh, c'est prodigieux d'intelligence en fait monseigneur gomme c'est prodigieux d'intelligence je trouve pas les mots pour décrire à quel point et euh, c'est la défense de la vérité mais c'est la défense de la vérité écrite dans un style absolument limpide et magnifique voilà et donc la troisième partie du livre qui est la plus longue c'est un abécédaire exactement comme pour parler le pape et pour chaque mot eh bien il y a l'enseignement de monseigneur Gaume voilà on en parlera j'espère euh, plus en détail dans, euh, dans une émission ultérieure. Donc, si ces deux bouquins vous intéressent, chers amis, comme je vous l'ai dit, eh bien, il faut aller sur le site des éditions Les Stockades et Pierre Tiernant a mis le lien en description. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Pierre Tiernant Écoute, euh, non. C'est pas plus mal parce que l'émission a été longue et euh, comme je vous l'ai dit, chers amis, ces émissions sont denses, donc euh, il ne faut pas hésiter euh, à les revoir plusieurs fois. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, allez voir l'émission qu'on a faite sur la pseudo Sainte-Faustine Kowalska. C'est une émission, je crois, importante. Une des plus importantes que nous ayons faites à ce micro. Et c'est une des meilleures de l'année, je pense. Hein je pense qu'elle est facile dans le top 3. Euh, donc, si vous n'avez pas vu, allez la voir. Et si vous voulez faire partie de meilleurs, n'hésitez pas à la partager. Voilà. Bah, Écoutez, euh, on va pas s'attarder davantage. Euh, merci à tous, bien entendu, de votre soutien. Merci aux auditeurs, d'ailleurs, de ces émissions qui sont venus me saluer lors de l'événement catholique de France. Vraiment, je, je, je les remercie euh, chaleureusement de leur soutien. Je remercie aussi toutes les personnes qui soutiennent les écoles et les, et les communautés religieuses que nous avons citées euh, en début d'émission. Voilà. Et on remercie prioritairement pour l'aide technique, bien entendu, car sans lui, ces émissions n'auraient pas lieu. Voilà, bah écoutez, on se dit à très bientôt, chers amis.